Le maire de la ville de Ouagadougou, en tournée dans les services de la ville, Armand Bewende, s'est rendu à Sakoula, à la périphérie de Ouagadougou, au centre de l'Ouindé, mais aussi à la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Par ses visites, le maire et sa délégation, la délégation donc était composée des membres du conseil municipal, ont pu rendre hommage aux hommes de terrain et apprécier leur travail sur le terrain. Issaka Nana. Encouragement et solidarité, c'est tout le sens de la visite de Roland Armand Pierre Bewende ce mardi matin ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le maire de la capitale est là non seulement pour rendre hommage aux gardes de sécurité pénitentiaire qui ne cessent de redoubler d'efforts pour la sécurité de ce lieu de détention, mais également traduire ses encouragements aux pensionnaires de la maison d'arrêt. Il y a beaucoup de plaidoyers que nous menons à l'endroit de la mairie, mais chaque fois que nous approchons la mairie, ils nous reviennent d'une manière favorable. Que ce partenariat puisse vraiment perdurer pour le bonheur de l'administration pénitentiaire, pour le bonheur de nos pensionnaires et puis pour l'humanisation que nous avons enclenchée à partir du ministère de la Justice. Même sentiment de compassion manifesté par le bourgmestre de la ville de Ouagadougou aux 196 pensionnaires du centre de la Ouindé de Sakoula. Nous sommes vraiment ravis de la visite du maire. Cela nous réconforte davantage. Nous avons été heureux d'apprendre ce matin qu'on accueille de moins en moins de femmes durant ces années. Et également, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à retourner dans leur famille grâce à la médiation du personnel d'encadrement qu'il y a ici. Donc, notre vœu le plus cher est que ce centre puisse être un jour et très prochainement transformé en un centre de formation plutôt qu'en un centre d'accueil de personnes qui sont marginalisées par leur famille. Cette visite au centre de la Ouindé de Sakoula ainsi qu'à la Mako s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'hommage initiée par le conseil municipal de Ouagadougou à l'orée des fêtes de fin d'année. Partout où il est passé, Roland Armand Pierre Bewende fait don de vivres, de savon et de numéraire aux différents pensionnaires.